Bonjour Alexandra, comment ça va? Très bien, vous? C'est là. Ah non, on va pas se vouvoyer, on va commencer par se tutoyer. D'accord. Alors, j'ai la chance de faire partie depuis 2 ans maintenant d'un jury pour un tremplin musical qui est organisé par le premier opérateur de logement social en France, qui s'appelle Action Logement. Et pour cette 2e édition, alors, plein de gens ont envoyé des démos, des vidéos sur lesquelles on chantait une chanson. Ensuite, nous avons choisi les membres du jury. Alors, je vous les donnerai tous tout à l'heure, mais entre autres, hein, le président du jury depuis 2 ans s'appelle Gaëtan Roussel. On y retrouve Guillaume Piau, le patron de RTL2, Gérard Pont, le patron des Franco de La Rochelle, Clarisse, enfin il y en a plein d'autres, on en parlera tout à l'heure. Louise Eklund qui nous fait le plaisir d'être là, coucou ma Louise. Et donc on se retrouve tous ensemble une après-midi, généralement d'ailleurs chez Gérard Pont, pour s'insulter, se dire des trucs pas sympas et finir par choisir quelqu'un qu'on aime bien. Et en l'occurrence cette année c'était vraiment toi, quasiment à l'unanimité. C'est la raison pour laquelle tu es là, je suis ravi de faire ta connaissance. Comment est-ce que toi tu as eu vent? Parce que l'histoire elle est assez mignonne d'ailleurs, hein. T'as trouvé ça dans ta boîte aux lettres? Exact. Raconte. Donc tout a commencé par une quittance de loyer. Ouais. Toute simple. Normalement, c'est pas la nouvelle qui fait plaisir, hein, une quittance de loyer. Et pourtant, celle-là est accompagnée d'un petit prospectus. Je crois que c'est ma mère qui l'a eu en main la première et qui m'a dit oh, ce serait bien que tu participes. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Et à la base, j'ai choisi une identité factice. Parce que pour moi, c'était pour rigoler, c'était pas sérieux. Kid People. Kid People. Ouais. Et finalement, c'est devenu sérieux. Tu chantes depuis combien de temps? Je t'appelle comment? Kid People ou tu préfères ton vrai prénom? Parce que si c'est ton nom d'artiste, désormais, on va t'appeler comme ça. Kid People? On va garder Alexandra Martinez. D'accord. Alexandra, tu chantes depuis combien de temps? J'ai commencé à chanter à l'adolescence, je pense, oui, 14-15 ans. Après, je jouais un peu de piano étant enfant, donc je chantais déjà un peu, en un sens. Mais oui, voilà, à l'adolescence, Entre-temps, études brillantes, hein, bac plus 4 ou 5, t'es traductrice anglais, espagnol, français, c'est ça? C'est ça. Félicitations. Et tu écris des bonnes chansons, la preuve, tu veux bien nous l'interpréter ta chanson? Bien sûr. Alors, elle s'appelle comment? Power. Power, c'est la chanson qui a permis à Alexandra, vas-y installe-toi, c'est la chanson qui a permis à Alexandra de remporter donc hein, ce 2e tremplin musical Action Logement. Alors, nous qui faisions partie du jury, en fait on a regardé cette première vidéo qui était enregistrée avec des copains à toi, et puis grâce à cette victoire, t'as pu enregistrer un single, et puis aussi le clip vidéo, tout ça on en reparle avec toi, mais pour l'instant, c'est quand tu veux. Woke up in the middle of night to find my muse had left my side for so long. Why leave me so long? Now I see that star shine bright. Hope is back, I feel alive and I say, you can bring me down. You're not fast enough. I know you like that sound. Like that sound turns you on. Got the bow, 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 bow. Got the bow, 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 bow. Bow, 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 her. Got the bow, 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 bow. Got the bow, 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 her. Got the bow, 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 her. Got the bow, 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 her. Got the bow, 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 bow. Fake friends wait at every turn. Time for them, I gotta run. I feel it, yes, I can feel it. Watch me as I touch the sky. No more pain and no more lies. I'm free, yeah, yeah. You can bring me down. You're not fast enough. I know you like that sound turns you on. Got the bow, 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 her. Got the bow, 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 her. Got the bow, 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 her. Got the bow. Got the bow, 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 her. Got the bow, 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 her. Turns you on. Oh, 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 oh.
Alexandra Martinez, viens nous retrouver. Voilà, avec un jury, je ne peux pas citer tout le monde, mais Gaëtan Roussel, Clarisse Fernian, Guillaume Piau, Gérard Pont, Alain Lahana, que vous connaissez peut-être pas parce que c'est un homme de l'ombre, mais il est le producteur d'Iggy Pop, ou encore de Patti Smith, de Trio, de Carla Bruni, entre autres. Enfin voilà, c'est un garçon qui connaît un peu le métier. Ça va, Alain? Oui. Je suis ravi. Notre copine Louise Eklund, bah, je vous la présente plus. Hein, tu as été animatrice avant moi, même sur RTL2. Hein. C'est mignon, c'est gentil. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Qu'est-ce que vous lui avez trouvé à cet artiste, vous tous? Une fraîcheur. Ouais. Une fraîcheur incroyable. Et je le retrouve là. Je sais que tu étais morte de trac avant de commencer. Mais quelle belle énergie, quelle fraîcheur. Enfin, j'étais séduite tout de suite. Ouais. Et on n'était même pas. Enfin, moi, je ne pouvais pas être là parce que j'étais en tournage quand vous étiez tous réunis. Et en fait, c'était une évidence pour moi. Et tu sais, quand tu discutes avec les autres, tu te rassures et tout. Je n'avais pas d'autres membres du jury en face pour me rassurer, en quelque sorte. Ouais. Et j'ai envoyé ça. C'était instinctif. Et je suis très contente parce que tout le monde a voter pour toi. Généralement, c'est Gaëtan hein, qui donne le tempo, et là, je crois qu'il était à fond. Alain? Ah, moi, c'était le fun et la fraîcheur, oui, ouais. et puis elle swing, c'est cool, et puis ça sonne, tout, hein. tout fait avec une légèreté apparente, qui met une décontraction dans le truc, tu dis, bon, mais c'est bien. Vendu, quoi. Tout va bien. Ouais. Alexandra, je le répète, hein, elle a 24 ans, si vous nous avez rejoint pendant cette chanson, brillante traductrice, qui peut-être va devenir chanteuse professionnelle, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Comment tu l'as appris? Donc, vous l'avez compris, Alexandra, elle nous envoyait une vidéo enregistrée avec tes copains, c'est assez mignon, d'ailleurs. La vidéo originale qu'on a. Mon frère et mon ex. Et ton ex, ok. Tu auras des souvenirs comme ça, c'est sympa. Hein. Je me suis fait larguer juste avant la victoire. Si tu m'entends jouer. Voilà. Et bah écoute, mec, t'as le mec à rester. Comment t'as appris? Comment tu l'as appris? Que t'avais gagné? Par mail. Ouais. Un petit message, on t'a téléphoné. Par Aurélia Leroux, il me semble, d'Action Logement, oui, qui m'a envoyé un mail. Il y avait Sébastien Olivreau aussi dans le coup, il me semble. T'as fait quoi quand tu as appris? Je suis restée en état de choc catatonique quelques secondes. Et après, je me suis dit, oh là, va vraiment falloir arrêter avec les conneries Kid People. Là, il va falloir se trouver une image plus sérieuse que ça, dans sa chambre. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis? Parce qu'en fait, il y avait le fait que tu sois avec nous, ce qui est assez minime. Mais il y a aussi l'enregistrement d'une chanson. Enfin, je veux dire, la prod, là, qu'on a entendue là, ça a été fait en studio avec justement Avec monsieur Thibaut Barbillon, qui m'a été prodigué par les bons soins d'Action Logement. Ouais. Apparemment, il devait avoir travaillé avec eux auparavant. Et le clip réalisé par Morgan Productions. Donc Gérard Pont, forcément, et Guillaume Klein qui a fait un excellent travail de réalisation sur ce clip. Ouais, qui est vachement mignon. Voilà, on te voit sur le sommet d'un immeuble avec des danseuses, un immeuble qui change. Très mignon, elle aussi. Ouais, non mais c'est super, avec des couleurs, etc. Je te souhaite la plus belle des choses. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Parce que voilà, ça y est. On est sur un point de départ, mais ce n'est que le départ. Il va falloir beaucoup travailler, il va falloir beaucoup avancer. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Eh bien, je suis en train de préparer en fait un EP. Donc il y a déjà deux chansons, Power plus une deuxième qui s'appelle Your Moves, qui sont finalisées plus ou moins. C'est ce qu'on est en train de faire tourner. Ah oui, t'as pas de casque. On a derrière. Elle est pas déposée encore. Chez Il y a Your Moves qui tourne en ce moment-là. Attends, laisse tourner un tout petit peu, Thomas, qu'on fasse découvrir aux auditeurs d'RTL2. Always thought I sucked at love. Donc voilà, il y a un EP qui va sortir. Recherche maison de disques, comment ça se passe là? Je pense, oui, une fois que j'aurai finalisé l'EP, que j'aurai 4 chansons solides, je vais faire le tour des maisons de disques. T'as envie de chanter en anglais tout le temps? Envie de chanter en français? Comment ça se passe? Pourquoi pas chanter de temps? Je pourrais même chanter en espagnol s'il le fallait, ou même en russe. En serbo-croate. Exactement, j'apprends en phonétique, hein, que le François le faisait bien. Mais. On va pas se mentir, je privilégie la langue anglaise en tant que langue universelle. Oui, et puis surtout que tu maîtrises particulièrement. Et je sais pas pourquoi, je me sens plus moi en anglais. Je trouve que ma voix passe mieux. Et sur le style de musique, on est sur de la pop, tendance électro? Tendance, on est sur de la pop, ça oui. Avec de la guitare plutôt acoustique d'ailleurs sur les morceaux. Beaucoup de guitare acoustique. J'ai jamais joué de guitare électrique à mon grand dam. J'aimerais beaucoup, mais donc oui, mais électro, il y aura des trucs électro, il y aura des trucs un peu plus summer mojito, plus happy hour, voilà, des trucs un peu plus latins. Il y aura de tout. Il y a le troisième
single qui fera partie donc de l'EP, je le veux un peu plus sombre, un peu plus presque minimal. Enfin, il y aura tout. Je me veux éclectique et j'essaierai de l'être. Parfait. Je te souhaite bonne chance, Alain. Juste le mot de la fin, Alain Lahana. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui se passe pour une jeune artiste émergente, comme c'est le cas hein, pour Alexandra? C'est quoi le chemin en fait? Bah, écoute, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont être guidées par la volonté qu'elle a. C'est le premier truc, parce que soit elle le fait en dilettante, soit elle veut le faire vraiment. Et à partir de là, quand on veut le faire vraiment, et ben, il n'y a aucun obstacle. Et on pousse et on y arrive. Merci d'être venu à tous. Je rappelle qu'elle s'appelle Alexandra Martinez. Vous la trouvez peut-être sur Internet, hein, autour de voilà, Kid People, c'est le nom qu'elle avait momentanément. On va oublier très bien Alexandra Martinez. Merci Louise d'être venue au micro d'RTL2. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu sur ce micro. C'est très chouette. Merci Alain. Merci à tous les autres membres du jury, dont évidemment Guillaume Piolle, patron d'RTL2, Gérard Pont, Gaëtan Roussel, qui était le président du jury.